On arrive dans le nuage. Wow. Regardez qu'on part à l'île. Oh, on va rentrer dedans. Hey, toi qui regardes cette vidéo derrière ton écran. Oui, toi. Il paraît que si tu mets un pouce bleu à cette vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne YouTube, tu auras une arme légendaire dans un de tes prochains coffres sur Fortnite. Bonjour tout le monde, c'est FarceAttack, comment allez-vous? On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite Battle Royale et aujourd'hui, nous allons parler de l'île qui est retournée à Lakey Lake et qui est de nouveau en fusion avec le tourbillon. Et regardez, il y a un nouveau faisceau qui est apparu avec une espèce de boule violette. Et du coup, donc on ne peut pas y aller, on ne peut pas rentrer dans cette boule violette avec les constructions car c'est au-dessus de la hauteur max en fait. Du coup, je suis allé en terrain de jeu et on va essayer de grimper tout en haut avec un quad. J'ai mis la gravité très faible, regardez, on peut tout simplement voler. Donc ça va être possible, je pense, en quad de monter tout là-haut. Parce que c'est vrai qu'on peut carrément voler hein, quand il n'y a pas de gravité avec le quad et le réacteur, c'est nouveau, ça fait plaisir. Donc on va faire ça. Avant ça, j'aimerais bien aller à la maison et la casser pour voir ce que ça donne niveau cube. Ça a dû changer. Donc c'est parti. Allez, on va y aller. Regardez-moi ça, la gravité. Attendez. Vous n'êtes pas prêts. Hein. Regardez-moi ça. Wow. Oh, attendez. C'est hyper chaud à contrôler. On va juste aller en haut de l'île. Attendez. Wow. C'est vraiment dur à contrôler. Allez, c'est parti. Il nous faudrait juste une petite bosse pour s'envoler. Et voilà, c'est bon, ça y est. On prend notre envol avec le quad. Si ça, c'est pas magnifique. Je pense qu'il y a vraiment moyen d'aller en haut. Alors, je vais juste me poser là, par contre, moi. Allez, arrête-toi, le quad. Ok, parfait. C'était chaud. Du coup, on va péter toute la maison. J'ai pris une batteuse, j'ai pris des explosifs. Et on va voir ce que ça donne. Donc, les cubes, maintenant, ils sont éclairés. C'est juste magnifique. On a également des nouveaux bruits. Hein. Des nouveaux bruits. Et waouh. On va voir ce que ça donne dedans. J'ai hâte. Allez, c'est parti. On va péter la maison. On va faire ça. On va fragiliser tous les murs. Ok, ça va aller assez vite, rapidement, avec la batteuse également. Hop là. Et puis c'est parti, hein, minigun. Hein. J'ai 666 balles au calme. Waouh. Bon, je pense que je vais vous accélérer cette scène, les gars, et puis on se retrouve juste après. Hein. Ok, du coup, regardez à quoi ça ressemble. J'ai pété toute la maison et j'arrive pas à voir de forme particulière, hein, personnellement. Est-ce que vous avez des idées en commentaire? C'est vrai que ça a toujours pas la forme de quelque chose. Hein. À mon avis, c'est un peu mis au bol. Il y a rien. Il y a peut-être pas de message caché. Hein. Je sais pas. Peut-être sous un angle, il peut y avoir quelque chose. Mais c'est dur à voir, hein. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos théories sur cet événement. Qu'est-ce qui va se passer? Moi, je pense que c'est en rapport avec l'événement Halloween que Epic Games est en train de nous teaser sur Twitter. D'ailleurs, je vais vous mettre les screenshots où ils nous ont mis deux teasers. Et on peut voir qu'il y a un événement cauchemar qui arrive pour Halloween. Et ben, je pense que ça va être en rapport. Hein. À mon avis, ça va être en rapport avec ce cube. Parce que là, je pense qu'on arrive au bout. À mon avis, il va se passer quelque chose incessamment sous peu. Waouh, en tout cas, c'est beau. Bon, ben, ce que je vous propose, c'est qu'on monte tout là-haut dans cette espèce de boule violette en quad. Hein.
Je pense qu'on va se faire ça, hein, du coup. Allez, on va remonter. Tranquillou, on va aller chercher le quad. Il est passé où, mon quad? Attendez, il était de l'autre côté, je crois. Il était là. Ouais, ok, il est là. Oh là là, c'est trop stylé. Avec ce faisceau. Bon, allez, c'est parti. On va monter en haut du faisceau. On va prendre le petit quad à réaction. Bon, allez, c'est parti, les gars. On commence la montée vers l'espèce de boule lumineuse. Let's go. On est au calme à 1 500 000 là, 1 400 000 de score. Allez, c'est parti. Regardez-moi l'île au passage, si elle est belle. Allez, hop. On monte. Petit tour paresseux, orbite 180, cabriole paresseuse. Watch à 2 millions de score. Allez, c'est parti. On se rapproche là pour le moment. Oh oui, on se rapproche bien là. On se rapproche même très très bien. What? Je suis allé en passager, oups. Ok, j'ai fait un petit fail, les gars. C'est pas grave, on se ressaisit. On se ressaisit. Ok, waouh, là ça se rapproche bien. Ça se rapproche vraiment bien. Oh oui, on y est presque. On y est presque, regardez-moi, ça devient de plus en plus gros. Allez. On perd pas espoir. C'est chaud, hein. C'est chaud parce que je redescends un peu à chaque fois. Oh là, on y est. Allez. On y est presque. Ça y est, ça y est. J'ai pris le move. J'ai pris le move, on y arrive tranquillement. Je suis à 6 millions. What the fuck? Oh oh. Je crois qu'encore deux coups et c'est bon. On y est. Deux coups et on y est. Regardez, elle est juste là. Allez, allez, un coup encore. Regardez-moi la hauteur. Wow. Et on y arrive, yes. On arrive dans le nuage. Wow. Regardez, comparé à l'île. Oh, on va rentrer dedans. On arrive... On est dedans. Oh, ça y est, on a passé le nuage. What? C'est trop stylé, on voit même plus la map. What the fuck? Il s'est passé quoi, là? Ok, j'ai pété le quad, on redescend. Oh, c'était juste insane, les gars, dedans. Donc, il y a un espèce de nuage. J'ai bien envie de retenter et de voir si on peut aller encore plus haut, hein. Mais c'était assez incroyable, du coup, sympa la petite animation, il y a une espèce de nuage hyper épais dedans. Ah bah vous savez quoi, on est reparti, ça y est, regardez, avec la gravité. Allez, ça y est, regardez, on va retraverser. On y est, waouh. Juste, what the fuck, quoi. Et ça y est, on a retraversé. Allez, on va essayer d'aller plus haut encore. Pour voir ce que ça donne. Waouh, regardez-moi ça, on est plus haut que le nuage. Waouh, 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 waouh. Mais c'est juste insane la hauteur à laquelle on peut aller avec cet engin. Là, je sais pas combien de mètres je suis, mais l'île, elle est toute petite. Hein. Oh, oh, l'île est toute petite et regardez-moi le point lumineux qui est devenu également tout petit. On est hyper haut, là. Ah, ok, ça nous tue. Oh, le point de vue qu'on a. Wow, c'est juste magnifique. Et par contre, on réapparaît en bas. Ah ouais, rip. Donc ça, c'est la hauteur maximum. On est allé tellement haut et que ça nous a tués, c'est un truc de fou.
Bon, en tout cas, voilà pour cette petite exploration vidéo. J'espère vraiment que vous aurez kiffé. Petite vidéo sympa sur cet événement. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse un live YouTube dès qu'il y a l'événement, dès que l'île bouge. Et en tout cas, voilà, n'hésitez pas également à me bombarder cette barre de pouces bleus pour cette exploration. C'était vraiment stylé, hein. On a vu des trucs incroyables, donc c'est vraiment un petit nuage qui a pris sa forme. On peut passer à travers, on peut même aller beaucoup plus haut. Je savais pas qu'on pouvait aller vraiment à cette hauteur-là avec le quad à réaction. En tout cas, très sympa. N'hésitez pas également à me dire en commentaire vos théories sur l'événement. Et puis, est-ce que vous pensez que le skin avec la goule, donc l'espèce de zombie femme, va ressortir? Parce que dans le post Twitter, on avait vu qu'ils ont mis un espèce de skin et ça ressemble au skin homme du zombie en fait. Donc j'espère vraiment pas personnellement qu'ils vont faire comme le squelette. Et puis voilà, moi je vous fais de gros bisous, bye, portez-vous bien, ciao tout le monde.